Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rèze. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Laissez-moi mener ce coup, je réponds de tout. Voilà, nous allons boucler les issues et tendre un piège. L'assassin est obligé de s'y laisser prendre. Expliquez-moi ça. Voilà, en sortant de la chambre de Mathilde, il y a trois issues possibles. La cage de l'escalier, que nous font garder par le professeur, la fenêtre de la galerie droite, où se tiendra le père Jacques. Oui. Comme ça, le fuyard n'a plus qu'une seule ressource, s'engager dans la galerie tournante. Et oui, il y a 100% de chance pour qu'il reparte par où il est venu. Hein? Larsan, acceptez-vous ce poste? Je sais qu'il est dangereux. Et quel sera votre rôle? Moi, je sauterai dans la chambre et je rabattrai l'homme sur une des trois issues. En fait, seule la vôtre est importante. Bon, c'est bon, tenez. Voici mon revolver. Moi, je me contenterai d'un point américain. Merci, Larsan. D'une part, j'aurai moins peur et de l'autre, j'aurai l'air moins bête avec une arme. Je quittais Larsan et je filais vers l'appartement du professeur Stangerson. Là, je le trouve habillé en compagnie du père Jacques. Alors, je l'informe de ce qui se passe. Il en profite pour se munir également d'une arme. Tout le monde est en place. Et je constate que depuis que j'ai vu l'assassin de dos dans la chambre de Mathilde, il s'est à peine écoulé 10 minutes. Je leur donne à tous des instructions, et en particulier de ne venir à moi que s'ils m'entendent crier ou tirer un coup de feu. Vous êtes prêt, professeur ? Je le suis. Et vous, père Jacques ? Il n'y a qu'à venir faire un tour de mon côté et vous verrez ce que je suis capable de lui faire à votre assassin. Je n'en doute pas. Et vous n'aurez pas longtemps à patienter. Il me faut 2 minutes pour retourner à la fenêtre. Bonne chance, Rouletabille. Et pas de risque inutile, n'est-ce pas ? Alors, me voilà de nouveau au rebord de la fenêtre. J'avance la tête. Je regarde. Il est là. Même dos énorme, déformé par les ombres projetées. L'homme n'écrit plus, il est penché vers le plancher et la bougie est à ses pieds. Il est temps. Je prends le revolver de Larsan entre mes dents, je pose la main gauche sur l'appui de fenêtre, ma main droite en fait autant et je m'apprête à faire un rétablissement sur les poignets. Au même instant, mon pied repousse malencontreusement l'échelle et elle s'effondre. Je me redresse. Mais l'homme avait été plus rapide que moi. Il a entendu tomber l'échelle. Bien sûr. S'est redressé, s'est retourné. Alors vous l'avez vu ? J'ai vu sa tête dans la pénombre. Parce que la bougie éclairait ses pieds et le bas de ses jambes. Mais enfin quand même. J'ai vu une tête chevelue, barbue, des yeux comme fous. Une face pâle encadrée de larges favoris. Quelle couleur ?
Autant que je puisse en juger, le tout était d'un blond vénitien tirant sur le roux. Vous connaissez cette figure ? Non. Non, je ne le connais pas. Ou tout au moins, je ne le reconnais pas. Ensuite ? Ensuite, il fallait faire vite, le temps de sauter dans la pièce, et l'homme avait bondi, et précipitamment, il avait ouvert la porte de l'antichambre. Bien sûr, comme prévu, il filait par la retraite que j'avais imaginée. Nous le tenions. Je hurlais dans le couloir. Arrêtez-le ! Professeur ! Pierre Jacques ! À moi ! Nous le tenons, Rouletabille, nous le tenons ! Il vient de passer ! Ah, il m'a passé quasiment sous le nez ! À vous, monsieur Larsan ! À vous, il vient droit sur vous ! Larsan ! Eh ben, Larsan, où est-il ? Comment, où est-il ? Tonnerre de nom d'un petit bonhomme ! Il s'est pas évanoui, ce mécréant ! J'ai vu son ombre, il m'a pratiquement soufflé dans la figure ! J'aurais presque pu le toucher, moi aussi ! Moi également, je me suis précipité sur lui, mais... Et puis, plus rien, mais plus rien. Mais enfin, c'est pas un fantôme, c'est absolument impossible, vous êtes bien d'accord, Larsan ? L'homme était entre vous et nous ! Tout à fait d'accord, seulement la seule chose qui subsiste à présent, c'est qu'il n'est plus là. Bon, éventuellement, nous pouvons fouiller partout. Ben, c'est ça. Il faut tout examiner minutieusement. Nous pouvons trouver une trace de son passage quelque part. Voilà. Voilà ce qui s'est passé ce soir-là dans la galerie, mon bon Sinclair. C'est tout bonnement inexplicable. Renversant. Absolument renversant. Ça, n'importe qui d'autre que vous m'aurait raconté cette histoire, j'en aurais déduit que j'avais affaire à un méridional. Et nous avons fouillé partout, remué les fauteuils, sondé les murs, rien. Rien, rien. Le père Jacques allait me regarder dans une potiche. Oh. Insensé. Une véritable désintégration instantanée de la matière. Et c'est à ce moment-là que Mathilde est apparue sur le seuil de sa porte. Et aussitôt, je reconnus son parfum. Le parfum de la dame en noir. Chère dame en noir, je ne reverrai sans doute plus jamais de ma vie. Alors je reprends mes esprits, je regarde la fille du professeur Stangerson, ses magnifiques cheveux dorés relevés sur la nuque, cette blessure à la tempe dont elle avait failli mourir. Elle est là, vêtue d'un peignoir blanc, d'une blancheur de rêve. Père. Mathilde. Que signifie ce vacarme ? Mathilde, ma chérie, c'est rien. Va te recoucher, tu dois être fatiguée. Mais pourquoi n'étais-tu pas dans ta chambre cette nuit ? C'est très simple. Je n'avais pas envie d'y dormir dans ma chambre. Alors j'ai pris le lit du boudoir où dorment les gardes malades. Depuis la nuit de la chambre jaune. Oh, père. Je me remets lentement, mais je garde un sentiment de peur, de crainte. C'est sans doute puéril, inexplicable, mais je n'y peux rien, j'ai peur. Tout le monde ici te comprend, ma chérie, tout le monde. Allez, retourne dans ta chambre. Ou plutôt, va te coucher dans ton boudoir, c'est très bien ainsi. Et tu as grandement besoin de repos, de calme. Oui. Va. Tu as sans doute raison. Merci, père. Bonne nuit, monsieur. Tout cela est bizarre, monsieur. Extrêmement bizarre. Dites-moi, père Jacques. Oui, monsieur Larsan. Vous l'avez bien vu, vous. Qui ça ? L'homme. Ah, et plutôt deux fois qu'une, pour sûr. Il avait une belle barbe rousse, des cheveux roux. C'est exactement ça. C'est ainsi qu'il m'est apparu à moi aussi. Tous nos témoignages concordent. C'est également ainsi qu'il est passé et a disparu sous mes yeux. Je sentais encore le parfum de la dame en noir. Ah, mon cher, une émotion indicible est en moi. Depuis l'instant tragique de la chambre jaune, nous tournons autour de cette femme invisible et muette pour savoir ce qu'elle sait. Et voyez-vous, notre désir, notre volonté de savoir doivent lui être un supplice de plus. D'ailleurs, qui nous dit que si nous découvrons les raisons du mystère dont elle s'entoure, nous ne déclencherons pas un drame encore plus épouvantable que ceux qui se sont déjà déroulés jusqu'ici ? Qui nous dit que cette fois, elle n'en mourra pas ? Déjà, elle a failli perdre la vie et nous ne savons rien. Moi, si je savais qui, je saurais tout. Oui, tout. Mais qui ? Et ne sachant rien, je dois me taire par pitié pour elle. Car elle sait comment s'est enfui l'homme de la chambre jaune. Et pourtant, elle n'a rien dit. Alors, pourquoi parlerais-je ? Non ?
quand je saurai, c'est à lui que je parlerai. Eh bien, Rouletabille, à quoi pensez-vous? Vous semblez soudain si loin de nous. Oui, j'étais très loin, en effet. Un peu aussi loin que l'assassin. Hélas, il y a sûrement ici une issue secrète et il la connaît. Oh, mais comment pouvez-vous dire ça, Larsan? Il s'est volatilisé sous nos yeux, sous les vôtres. Et pourtant, il est grand, mais il paraît fort. Mais il a... il a la taille qu'il faut. Et alors vous pouvez expliquer les cheveux et la barbe rousse? Oh, trop de barbe, trop de cheveux, à mon avis ce sont des postiches. La taille des postiches, vous ne pouvez pas faire autrement que de penser à Robert Darzac, n'est-ce pas, c'est ça? Eh oui, c'est exact, et tout mon lord. Il est assez grand, il connaît le château du Glandier, et il a intérêt à ne pas être reconnu. Mais bon sang, vous ne pourrez donc jamais vous débarrasser de cette idée, je suis sûr, moi, qu'il est innocent. Tant mieux, je le souhaite. Je le souhaite autant que vous. Mais quoi? Mais quoi que vous disiez ou quoi que vous fassiez, mon cher Rouletabille, tout condamne Robert Darzac, tout. Et moi, je maintiens qu'en dépit de tout, Robert Darzac n'est pas l'assassin, voilà. Ah, vous avez remarqué les traces de pas sur le tapis? Oui, non, je les ai vues. Ce sont les pas élégants du bord de l'étang. Ah, nierez-vous que ce sont là les pas de Robert Darzac? Niez-vous l'évidence? Oui, bon, je vous l'accorde, on peut s'y méprendre, mais des traces de pas ne constituent pas une preuve forte. Mais... Certes. Et avez-vous remarqué que pour celle du couloir, les traces de pas ne reviennent pas? Oui, ce qui revient à dire que quand l'homme a fui, poursuivi par vous et ensuite par nous tous, ses pas n'ont pas laissé de traces. Oui, l'homme était dans la chambre depuis sans doute un grand moment, alors la boue de ses chaussures a dû sécher. Et dans sa fuite, d'ailleurs, j'ai eu l'impression qu'il glissait plutôt qu'il courait. C'est exact, sur la pointe des bottines. On l'a vu fuir. On ne l'a pas entendu. Garçon. Quoi donc? Comment vous n'avez pas entendu? On aurait dit une porte qui claquait. Oh, cela ressemble terriblement à une invitation. Allons-y. Il y a de la lumière. C'est la chambre du garde, vous savez, l'homme vrai. Et allons voir ça de près. S'il peut justifier ses insomnies, tant mieux pour lui, mais normalement, vu l'heure qu'il est, il devrait dormir à point fermé. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez. C'est Larsan et Rouletabille. Alors pareil, on n'a pas idée. Bonsoir, André. Bonsoir. Vous n'étiez pas couché? Ah, ça se voit, non? Oui. J'ai été faire une tournée dans le parc et dans les bois, et puis je suis rentré. Peut-être 3 minutes avant que vous n'arriviez. Bah, seulement maintenant, messieurs, j'ai sommeil. Alors, si vous voulez bien... Bonsoir. Non, mais attendez, encore un instant. Tout à l'heure, il y avait ici, auprès de votre fenêtre, une échelle. Une échelle? Quelle échelle? J'avais vu d'échelle, moi. Bon, ben, bonsoir, messieurs. Eh bien, Larsan? Oui, je vous écoute. Cette attitude ne vous ouvre pas de nouveaux horizons? Ah, Rouletabille, mon cher, vous êtes incorrigible. Mmh. Votre souci louable d'innocenter Robert Darzac vous amène à suspecter tout le monde. Mon cher Larsan, votre souci d'inculper Darzac est, compte tenu de votre grand talent, une solution de facilité et vous cache absolument toutes les autres possibilités. Ah, vous paraissez tellement sûr de vous. Ce serait quand même tout à fait étrange que je me fusse trompé à ce point. Reconnaissez, tout est parfaitement étrange dans cette affaire. Il y a vraiment de quoi se tromper? Bon, qu'importe, cher ami, nous serons bientôt fixés. Et demain, comme dit le vieil adage, il fera jour. Bonsoir, Rouletabille. Et bonne nuit. Bonsoir, Larsan. Et bonne nuit.
Voilà, mon bon ami, comment s'acheva cette nuit de la galerie mystérieuse. J'ai attendu le petit jour, puis je suis descendu dans la cour du château. J'ai examiné attentivement toutes les traces qui en partaient ou qui y aboutissaient. Les traces de pas, je suppose. Ouais. Oui, elles étaient mêlées, confuses, bref, il n'y avait rien à en tirer. D'ailleurs, la méthode qui consiste à afficher le nom du criminel d'après les empreintes de pas est tout à fait primitive. C'était le bon temps de Bertillon, ça. Ben alors pourquoi étudier ces traces? Ah, pour essayer de retrouver le bon bout de la raison, Sinclair. Les pas, comme vous dites, sont la tentation immédiate du premier policier venu. Le pas. Eh bien, voyez-vous, je laisse ces méthodes à Frédéric Larsan. Oui, je ne travaille pas dans ce goût-là, moi. Car avec sa méthode, entre nous, il est arrivé à une conclusion d'une bêtise encore plus énorme que tout ce qu'on peut lire dans les livres. Joseph, Larsan n'a rien d'un policier débutant. Sûrement avec sa façon de procéder, il a trouvé le moyen de convaincre de Marquet, le juge d'instruction, et Dax, le chef de la sûreté. Ça fait beaucoup pour une erreur. Bref, il a convaincu tout le monde. Et vous savez d'où vient tout le mal, Sinclair? Aucune idée, mais... je ne vais pas tarder à le savoir. Eh bien, le mal vient des traces sensibles. Oui, les empreintes, les bouts de cigarettes, la menue monnaie des grandes affaires criminelles. Autrement dit, la charlocomanerie du pauvre. Oh, écoute, vous oubliez un peu vite, mon cher Joseph, que je suis avocat, que cette menue monnaie, comme vous l'appelez, a permis à d'excellents policiers de résoudre des énigmes qui sont devenues célèbres. La malle sanglante, les amants tragiques de Saint-Germain, le vampire de Düsseldorf, et je ne vais pas les citer toutes. Oui, Sinclair, les traces sensibles parlent, et ce qu'elles révèlent est de la plus haute importance, d'accord, mais elles parlent dans leur langue, qui nous est étrangère à nous. Il faut donc faire très attention aux erreurs de traduction. Il ne faut rien croire les yeux fermés. Moi aussi, vous l'avez vu, je me suis penché avec beaucoup d'attention sur ces traces. Mais je ne me suis pas laissé duper par elles. Uniquement pour les prier d'entrer dans le cercle dessiné par le bon bout de ma raison. Ouais. Et le cercle aujourd'hui, comment est-il, mon cher Rouletabille? Étroit. Très, très étroit, mon cher Sinclair. Mais je dirais quand même gigantesque, puisqu'il ne... contenait que la vérité, la simple vérité. Autrement dit, Frédéric Larsan se trompe du tout au tout. Oh, alors là, si je me complaisais dans les formules toutes faites, mon bon maître, je dirais que nous avons relevé tous les deux des traces sensibles, j'en ai fait des servantes, et il en a fait ses maîtresses. Oh, la formule est hardie. Peut-être, oui. Mais c'est à cause de ça que je triompherai de lui, car je finirai par gagner, Sinclair, vous m'entendez? C'est vrai, au lendemain matin du phénomène mystérieux, j'ai réagi. J'ai réagi, Sinclair. Voilà, vous n'y pouvez rien. Rouletabille, mon petit bonhomme, relève la tête. Eh bien, parfaitement. Et ne soyez pas inquiet, mon cher, tout ça se soigne très bien, très très bien. D'ailleurs, vous voyez pas l'ombre d'une inquiétude. Vous trouverez, mon petit Joseph, vous trouverez. Mais c'est évident, Sinclair. Moi, je travaille sur le bout de la raison, Larsan, lui, sur le bout de sa canne. Je prouverai forcément à un moment ou à un autre que le grand Frédéric... se trompe, vous l'avez déjà dit. Oui, alors là, vous pensez que j'aurai d'autres, hein. Mais je voudrais prouver plus que ça, je voudrais prouver que Frédéric Larsan n'est qu'un gigantesque imbécile. Oh, bah, écoute, faut... Non, peut-être pas gigantesque, oh, non. Puis vous n'êtes pas pourtant du genre à changer d'idée aussi rapidement. Ah, il faut que je vous fasse quand même une confidence, mon bon maître. Oh, tiens donc. En fait, il s'agit d'une confidence que j'aime... je ne peux pas vous faire tout entier, mais il n'est pas possible non plus de vous la faire tout à fait. Eh bien, allons-y pour une moitié de confidence. Eh bien voilà, ce matin-là, je bouillonnais d'idées. Je suis retourné dans la galerie, à l'endroit précis où la galerie tournante coupe la galerie droite. Vous vous souvenez? Vous me suivez, Sinclair? Ah, comme si j'y étais. Bon, et je n'y ai rien vu de plus que la nuit précédente. Mais le bon bout de ma raison m'a montré une chose invisible. Une chose lumineuse. Éclatante, si fabuleusement éclatante que j'ai dû me tenir au mur, vous m'entendez, pour ne pas m'écrouler. Oui, alors là, je suis désolé, Rouletabille, vous en avez trop dit ou pas assez, enfin, de quoi s'agit-il? Ah non, je ne peux pas, pas encore. Au moins, mettez-moi sur la voie. Très honnêtement, ça ne servirait à rien. Oh, évidemment, tout le monde sait que je suis un avocat borné. Mais non, ça n'a rien à voir. Ce que m'a montré le bon bout de ma raison est aveuglant. On le voit en entier, et on passe à côté sans le voir. Maintenant, il s'agit de quelque chose de très important. Écoutez et retenez. Eh bien, je vous écoute, maître. Bien.
l'inexplicable résulte obligatoirement d'une explication simple. Et dans le cas présent, c'est la simplicité même qui est épouvante dès qu'on la touche du doigt. Ouais, ça c'est très beau, mais je ne suis pas sûr de retenir. Ah, Sinclair, tout ça s'est passé il y a 3 jours. J'avais une furieuse envie de vous voir, pour pouvoir en parler avec vous. La pelote basque, vous vous souvenez? La pelote basque. Et oui. La pelote. Alors bon, voilà autre chose. Mais non, les idées lancées comme des balles sur un fronton et qui vous reviennent plus vite et plus fort qu'on ne les a lancées. Ouais. Et alors? Ben et alors? Sinclair, vous êtes le meilleur fronton que je connaisse. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rennes. Aujourd'hui, 14e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rennes, Larsan, François Mestre, le père Jacques, André Weber, Mathilde Stangerson, Evelyne Selena, le professeur Stangerson, André Valmy, le garde, Benoît Allemagne. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation Arlette Adrian, Daniel Cocolle, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rennes. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Fascinant, toute cette affaire est fascinante. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Sinclair? Ah, mon cher Joseph, question embarrassante, très embarrassante. Débarrassez-vous. J'avoue que je n'entrevois aucune solution au problème posé par cette fichue galerie mystérieuse. Et même avec le bon bout de votre raison? Mais parce qu'il n'y a rien de raisonnable dans tout ça. Je ne sais pas, mais il me semble qu'au moins une chose soit certaine dans cet imbroglio. C'est que l'assassin que vous poursuivez a été, à un moment quelconque de cette poursuite, présent dans la galerie. Ça? Oui, présent. Eh ben. Eh ben quoi? Allez-y, vous êtes parti sur les chapeaux de roue, mon bon maître. Pourquoi vous arrêtez-vous en si bon chemin? Allez, petit effort. Bon. Bon, ben, je vais essayer. À partir du moment
L'assassin étant dans la galerie, il a pu, les portes et fenêtres gardées, disparaître comme par enchantement, c'est qu'il faut admettre qu'il existe une issue que nous ignorons et que nous n'avons pas découverte. Mon cher, vous ne changerez jamais. Allons bon, qu'est-ce que je vais entendre? Écoutez, vous raisonnez comme une savate. Ah bon. Que dis-je, comme une savate? Pire, vous raisonnez comme Frédéric Larsan. Merci du compliment, c'est très agréable. Oh, remarquez que je ne tiens pas cette boutade pour péjorative. Ah bon, bah ça va alors. Bah non, il faudrait pour cela que votre opinion sur Larsan soit définitivement tranchée. Or, tantôt, vous assurez que Larsan a autant de jugeote qu'un pot de moutarde, tantôt, vous le portez au pinacle en disant « il est rudement fort, le diable ». Alors, eh ben, que voulez-vous? Nous avons tous nos moments de faiblesse. Eh oui. Ah, le parc est beau. Hmm? Regardez donc par la fenêtre qui nous arrive. Sir Arthur Rance. Oh, oh là 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 là, il est toujours aussi écarlate. Hein. Ah oui, ah ben ça, il n'a pas besoin de maquillage. Ah là, cette couleur rubiconde que vous lui voyez est le résultat d'un audacieux mélange. Champagne brut et bourbon. Ah oui. Il était donc cette nuit au château, mais pourquoi faire à votre avis? Parce que vous ne l'aviez pas revu depuis la fameuse soirée de l'Élysée. Ah non, pas du tout. Non. Mais je me souviens vous avoir entendu dire qu'il était sur le point de quitter la France. Oui, c'est vrai, c'est juste. C'est d'ailleurs pourquoi je suis étonné de le trouver ici, au château du Glandier. Il n'est pas arrivé ce matin. Mais encore moins cette nuit. Il est donc arrivé hier soir avant le dîner, et je ne l'ai pas vu. Ben écoutez, je vous propose d'aller tirer cette histoire au clair chez les Bernier. Oui. Ouvrez, Bernier, c'est moi, Rouletabille. Vous êtes déjà sur le pied de guise, monsieur Rouletabille. Oui, bonjour, Bernier, bonjour, madame Bernier. À votre service. Dites, madame, je voulais vous demander à quelle heure est arrivé Sir Arthur Rance. Il est au château? La première nouvelle. Mais comment vous ne le saviez pas? On ne savait rien de rien. Il a dû arriver hier soir après notre service. Monsieur Rance adore la marche. Il paraît que ça lui fait du bien. Oui, et alors? Alors, quand il vient ici, il descend à la gare de Saint-Michel-sur-Orge. Et puis de là, il parvient au Glandier en passant par la forêt. Ah bon? Mais comment fait-on? C'est enfantin. Il arrive au parc du château par la grotte de Sainte-Geneviève. Et il n'a plus qu'à enjamber le petit grillage et il est dans la propriété sans avoir à se présenter à la grille. Attendez. Vous dites que Sir Arthur Rance est un habitué du château. Un habitué, non, mais il vient de temps en temps. Et la première fois qu'il est venu ici, c'était quand? C'était 2 ans avant qu'on change de président de la République. Enfin, tout de suite après les législatives, quoi. Mais bon, ça fait 9 ans. Tout juste, ça fait 9 ans. Pour ça, mon homme a une mémoire des chiffres. On dirait qu'il a fait des études. Bien. Et alors, depuis 9 ans, à votre connaissance, il est venu combien de fois au Glandier? 4 fois. Non. 3. Ça fait 4 avec cette fois-ci. Et qu'est-ce que je vous disais? Bien, maintenant, réfléchissez bien. En dehors d'aujourd'hui, quand est-il venu pour la dernière fois? Alors là, c'est facile. Là, juste une semaine avant l'attentat de la Chambre jaune. Dans la rainure du parquet? Oui, monsieur Rouletabille. C'est bien. Donc, préparez-vous tous les deux. Hein. Merci encore. Et je compte sur vous, c'est pour ce soir. Vous pouvez y compter. Silence et discrétion. Silence et discrétion. Mon cher, il est grand temps d'aller déjeuner. Je meurs de faim, pas vous? Ah ben, je reconnais que je grignoterais volontiers quelques bricoles. Alors, je vous propose l'auberge du donjon, ça vous va? Ah oui, mais cette fois, vous êtes mon invité. Si vous voulez. Bon. Dites-moi, Joseph, vous y allez souvent prendre vos repas? Ça m'arrive. Mais vous prenez aussi vos repas au château? Parfaitement exact. Larsan et moi, nous nous faisons servir tantôt dans sa chambre, tantôt dans la mienne. Ah oui? Oh, ce qui fait bon. Mais qu'est-ce qui vous étonne, mon tout bon?
Ben, le professeur Stangerson ne vous a jamais convié à sa table? Ah non, pas une fois, jamais. Mais il tolère néanmoins votre présence chez lui. Ouf, allez donc savoir. En tout cas, il a agi exactement comme si nous ne le gênions pas. Ah bon? Et ça lui arrive de poser des questions? Le professeur, jamais. Il est aussi loquace qu'une huître. Ah oui. Il est resté dans l'état d'esprit du monsieur qui était derrière la porte de la chambre jaune pendant qu'on assassinait sa fille, qui a défoncé la porte et qui n'a pas trouvé l'assassin. Alors il est maintenant complètement persuadé que n'ayant rien pu de lui-même découvrir, nous autres pauvres enquêteurs, nous n'avons aucune chance de faire mieux que lui. Voilà. Mais remarquez, depuis que Larsan a émis l'hypothèse que Darsac pouvait être mêlé à l'attentat, le professeur s'est fait un devoir de ne pas troubler nos illusions. Voilà, mon cher ami, où nous en sommes, très exactement. Et les concierges, les Bernier? J'ai eu une entrevue dernièrement avec le professeur, et muni d'une feuille de papier et d'un stylo, je lui ai demandé d'écrire ces lignes. Je m'engage, quoi qu'il puisse dire, à garder à mon service monsieur et madame Bernier, deux fidèles et loyaux serviteurs. Et il a signé. Et ça voulait dire quoi? Bon, bah, écoutez, c'est enfantin. Dès que les Bernier ont vu le papier, ils ont été rassurés. Et ils ont parlé. C'était d'ailleurs ce que j'avais prévu. Ah bon? Parce que leur témoignage est important? Bon, déjà, ils ont reconnu qu'ils braconnaient sur les terres de M. Stangerson et qu'ils arrondissaient leur fin de mois en vendant le gibier à l'auberge du donjon. Ce qui explique qu'ils étaient debout, habillés, et non loin du pavillon le soir du drame, c'est ça? Bravo, Sinclair. Mais qui vous a donné cette idée? Ah ben, la même réaction que vous, sans doute. C'est possible. Vous vous souvenez, à notre première visite à l'auberge du donjon, j'avais entendu Mathieu dire à quelqu'un, je sais d'ailleurs pas si vous l'aviez entendu vous-même, « Maintenant, il va falloir manger du saignant. » Ouais, je me souviens parfaitement vous avoir, vous aussi, entendu prononcer cette phrase sibylline dont j'ignore toujours le sens. Eh bien, c'est l'adverbe « maintenant » qui a retenu mon attention. Voyez ?« Maintenant ».« Maintenant » pouvant signifier « depuis l'attentat ». Voilà. Bon, nous allâmes déjeuner à l'auberge du donjon. Là, j'envoyais la phrase à Mathieu. Hein? Et je compris à sa surprise et à sa tête qu'elle était très importante, cette phrase. Comme à ce moment-là, nous avions parlé de l'arrestation des concierges, enchaînement d'idées, je me suis dit, Rouletabille, maintenant que les Bernier sont arrêtés, il va falloir manger du saignant. Eh oui, plus de concierges, plus de gibier. Ah, subtil Joseph. Et pourquoi avez-vous pensé au gibier? Oh, c'est tout simple, à cause de Mathieu et de sa haine pour le garde. Haine partagée avec le Bernier, nous a-t-il dit, vous vous souvenez? Alors j'ai pensé au braconnage. C'était la seule chose qui justifiait la présence des concierges et les obligeait malgré tout à garder le silence. Ah, c'est renversant. Absolument renversant. Ça, quand Merci. Je vous vois faire fonctionner vos petites cellules grises, mon cher Joseph. Merci beaucoup. Le reste confondu, vous êtes un phénomène qui Merci. Pratiquait la logique à ellipse. Merci infiniment. D'autant plus que l'hypothèse... Elle était là, mais il me fallait l'étayer, il me fallait des traces sensibles. Et où les chercher, si ce n'était chez les Bernier? Et c'est dans leur maisonnette que vous m'avez vu me faufiler. Et vous avez trouvé? Des lacets et du fil de laiton. En termes légal et cinégétiques, on appelle ça des collets. Voyez-vous, je tenais la preuve de la présence des Bernier la nuit du crime dans le parc. Et ils ont préféré se laisser accuser de complicité de crime plutôt que de reconnaître le braconnage. Ah ben, tiens donc. Aux assises, s'ils reconnaissaient le braconnage, ils étaient immédiatement lavés de tout soupçon. Seulement, le lendemain, ouf, ils étaient virés du château dans la seconde. Et c'est pourquoi vous avez montré le papier signé du professeur Stangerson au juge de Marquet. Et voilà. Et devant les déclarations des Bernier, il a été obligé de les relâcher séance tenante. Alors eux, vous pensez, les Bernier étaient tellement heureux et reconnaissants que maintenant, ils seraient disposés à manger dans le creux de la main. C'est bien normal. Seulement, pourquoi ne pas les avoir fait libérer plus tôt? Réponse, je voulais être sûr de n'avoir affaire qu'à des braconniers. Autrement dit, je les laisse venir, j'étudie le terrain. Comme Larsan? Comme Larsan. Ouais. Comme Larsan. Et vous avez été convaincu? Bon, disons que ma conviction s'est consolidée jour après jour. Et voilà. Et voilà. Et voilà, tout cela est clair, limpide, ça coule de source. Mais c'est vrai, mon cher, tout cela est simple, c'est très simple.
Dites donc, est-ce que nous n'avions pas projeté de déjeuner à l'auberge du donjon? Mais voilà, alors tout en parlant, regardez, nous sommes arrivés sans nous en rendre compte. On entre? On entre. Bonjour, messieurs. Ravi de vous voir. Bonjour, madame Mathieu. Comment se porte notre charmante hôtesse? Très bien. Et les affaires, madame Mathieu? Bah, il y a comme un marasme. Ah, or, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'époque qui veut ça. Et monsieur Mathieu? Bah, tout doux, tout doux. Mmh. Il est toujours au lit. Oh, bah, alors la clientèle devrait revenir, car vous êtes tellement plus aimable que lui. Monsieur Sinclair. Elle est toujours ses rhumatismes? Oui, oui, ses vieilles douleurs, comme il dit. Il n'y a vraiment que les piqûres de morphine à petite dose qui le soulagent. J'ai dû encore lui en faire une la nuit dernière. Comment ça, des piqûres de morphine? Oui, mais sur prescription médicale. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, vous déjeunez, messieurs? Non, pas avant de savoir ce que vous avez de bon. Oh, ben mon Dieu, pas grand-chose. Oh. Non, j'ai mis en train une croustade de morille. Oh. Après, j'ai un bel aloyau avec un gratin dauphinois. Et elle dit qu'elle n'a pas grand-chose sans ta simplicité. Écoutez, nous ferons de cet extra un ordinaire pas ordinaire. Et pour boire? Eh ben, disons, deux bouteilles de brouilly. Et vous nous en apportez une tout de suite, elle nous servira d'apéritif. Je m'occupe de tout. Merci, madame Mathieu. Merci, madame Mathieu. Bien, alors écoutez-moi, maintenant que nous sommes seuls, je vais, mon cher Sinclair, vous apprendre quelque chose de très important. Oui, excellent journaliste, mon cher Joseph, enquêteur génial, mais cabotin, oh cabotin. Pourquoi? Ah ça, on peut dire que vous savez ménager vos effets. Bon, alors je vous en supplie, à genoux, apprenez-moi vos révélations. Non, donnez-moi seulement une allumette pour ma pipe et je commence. Oh, mais c'est pas possible. Il y a des moments où il est insupportable, cet homme. Voilà. Voilà. Voilà votre brouilli. Ah, merci, madame. Merci. Et maintenant, je vous laisse vous régaler. Servez-nous donc, mon cher Sinclair. Merci, madame Mathieu. Mais qu'est-ce qui m'agace? Alors, faut que je serve maintenant. Voilà. Ok. Ah, il est sûr. Ah, là, il est sûr. À votre santé. À votre santé. Ah oui. Oh, c'est une merveille. Donc, mon cher ami, ce soir, au château du Glandier, j'attends l'assassin. Alors voilà une nouvelle. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Figurez-vous qu'hier soir, je vais pour me mettre au lit. Ouais. On frappe à ma porte. J'ouvre. C'était Darzac. Entrez, je vous en prie. Que se passe-t-il? Voilà. Je suis venu vous avertir qu'il faut que je me rende à Paris demain. Oui. C'est une nécessité impérative. Oui. Et les raisons de ce voyage? Hélas. Péremptoire et mystérieuse, comme toujours. Expliquez-vous. Péremptoire parce qu'il est impossible que je ne fasse pas ce voyage. Mystérieuse parce qu'il est hors de question de vous en révéler le but. Darzac, on dirait une plaisanterie. Je donnerais volontiers la moitié de ma vie pour ne pas avoir à quitter ma chère Mathilde. Oui. Sincèrement, je la crois en danger. Vraiment? Oui. Il arriverait quelque chose de grave la nuit prochaine que cela ne m'étonnerait pas. Et pourtant, il faut que je m'absente. Je serai de retour au Glandier après-demain matin seulement. Et d'où prenez-vous cette idée de danger? Oh, c'est simple. J'ai remarqué que chaque fois que j'étais obligé de m'éloigner du château, il arrivait quelque chose à Mathilde. La nuit de la galerie mystérieuse, j'étais absent. La nuit de la chambre jaune, absent également. Donc vos absences obéissent à une volonté plus forte que la vôtre? Oui, peut-être. Est-ce que cette volonté ne serait pas celle de Mathilde, justement? Ah, je vous jure que non. Bien. La décision de mon départ a été prise par moi en dehors de toute instruction de Mathilde. Rouletabille, s'il lui arrivait quelque chose,
Ce serait terrible, et pour elle et pour moi. Elle risque de se trouver encore une fois entre la vie et la mort, et moi, encore une fois, je ne serai pas là pour essayer de la protéger. Et je ne pourrai toujours pas dire où je me suis rendu. Vous n'ignorez pas que tous les soupçons pèsent sur vous. Larsan et de Marquet sont presque persuadés de votre culpabilité. Oui, oui, je le sais. Mais alors pourquoi ne pas révéler le nom de l'assassin? Moi? Je ne connais pas le nom de l'assassin. Qui me l'aurait appris? Mathilde Stangerson. Oh, vous dites des choses horribles. Bon, très bien. Écoutez, depuis que vous êtes au château, Rouletabille, j'ai pu apprécier votre exceptionnelle intelligence et votre ingéniosité. Voici le service que je réclame de vous. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Mes craintes ne sont peut-être pas justifiées, mais je préfère tout prévoir pour rendre un éventuel attentat impossible. Je vous prie de veiller sur Mathilde. Arrangez-vous pour qu'on ne puisse entrer dans sa chambre. Ne dormez pas, ne vous accordez pas une seule seconde de repos. L'assassin que nous redoutons est d'une astuce prodigieuse, qui n'a sans doute jamais été égalée dans le monde. Cette astuce même sauvera peut-être Mathilde. Oui, puisqu'il saura que vous veillez, il ne tentera peut-être rien. Et vous n'avez jamais parlé de tout cela avec le professeur Stangerson? Non. Et pourquoi? Parce que je ne veux pas que le professeur me dise, comme vous tout à l'heure, « Dites-moi le nom de l'assassin. » Vous, dont c'est le métier, la révélation de mon départ vous a étonné. Vous imaginez ce que pourrait penser le professeur Stangerson si je lui avouais la même chose? Voilà pourquoi je suis venu vous voir. Voilà pourquoi je n'ai confiance qu'en vous, Rouletabille. Merci. Merci de votre confiance. Bon, quand je serai parti, vous signalerez vos soupçons au professeur, à Larsan, au père Jacques, enfin, à tout le château. Et vous pourrez ainsi organiser la surveillance. Hein, aux yeux de tous, l'idée viendra de vous. Cela seul a de l'importance. Bien. Bien, j'admets provisoirement vos raisons, monsieur Darzac. Vous êtes nerveux, désemparé, et d'ailleurs, on serait à moins. Alors maintenant, essayez d'aller vous reposer, et demain, partez un peu plus tranquille. Je prendrai toute directive qui s'impose. Merci, Rouletabille. Je savais que je pouvais compter sur vous. Merci. Voilà, mon cher Sinclair. Voilà pourquoi je vous ai demandé d'apporter des revolvers. Nous devons faire échec au crime. Non. Cette croustade au mori. Non. Même chez Lucas Carton, on n'aurait pas trouvé mieux. Alors. Oh, le monstre. Oh, le monstre dénaturé. Quand je lui parle crime, il me répond croustade. Non, mais j'ai écouté passionnément votre récit, ce qui ne m'a pas empêché de faire un repas délectable. Oh, je lui parle assassin, il me répond à loyaux. Vous n'êtes pas un cerveau, vous êtes un ventre. Halt. Pour être en forme, il faut se nourrir. C'est vrai. Et tant qu'à faire de se nourrir, je préfère la simplicité rustique incomparable de la cuisine de Madame Mathieu à des plats frelatés où les sauces inconnues vous cachent le brouet. Oh, ça y est, il parle maintenant comme Antonin Carême. Oh, je le voudrais. Mais lui, fût-ce en cuisine, avait bien du génie. Ouais. Cela dit, cher Joseph, et vous ayant oui, ce n'est pas pour les faits qu'ici je me passionne, mais plus pour la façon dont vous les présentez. Ouh, et vous parlez en vers. Il y manque des pieds. Mais puisque vous parlez de vers, et que le mien a un pied, versez-y, s'il vous plaît, le reste du brouillis. Et encore un bravo pour l'exposé des faits. Flatteur. Mais j'attends plus de vous. J'ai subi le récit, je veux les conclusions. Tiens donc, vous n'avez pas envie vous-même de prendre la parole, mon cher maître? Oh non, sûrement pas. Ça, j'ai encore certains ricanements dans les oreilles. Et susceptible en plus. Bah, vous l'avez dit. Donc, acte. Alors, selon vous, après le départ de Darzac, qu'est-ce que j'ai fait? Une cuillère de gratin dauphinois. Pour finir cette viande sublime. Merci. Et je réponds, vous avez réfléchi. Bravo. C'est exactement ça. Ouais. Vous voyez quand vous vous y mettez?
Alors, j'enchaîne. J'ai réfléchi, mais j'ai réfléchi à quoi? Alors, ça. Eh ben voilà, je me suis dit qu'il me fallait être plus astucieux que celui qui est l'astuce personnifiée. Mmh. Vous comprenez? Autrement dit, que si l'assassin devait aller cette nuit dans la chambre de Mathilde, il ne puisse pas se douter une seconde que l'on soupçonnait sa venue. Voilà. Superbe, absolument superbe. Alors, tout va bien? Oh, parfait, Madame Mathieu, absolument parfait. Est-ce que je vous fais un petit café? Oh, s'il vous plaît, très fort. Bien. Ah, merci, Madame Mathieu. Alors, pas de réaction, Sinclair? Eh bien, une seule, mon bon ami. Allez-y. Vous ne trouvez pas que vous jouez un jeu dangereux? Oh, ben, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas toujours jouer pour s'amuser. Oh. Mmh. En fait, tout le principe de l'opération consiste à empêcher l'assassin de pénétrer dans la chambre de Mathilde. Oui. Et ensuite, tenter de voir nettement ses traits. Voilà. Comprenez, ça ne peut plus durer. Il faut absolument le démasquer. Il faut libérer cette fille de cet assassinat suspendu au-dessus d'elle en permanence. C'est parfait. Vous avez compris, naturellement, pourquoi il était indispensable de connaître enfin la figure de l'assassin. Ah non, ça, pas vraiment. Oh. Il faut que je sois sûr qu'elle entre dans le cercle que j'ai tracé avec le bon bout de la raison. Voilà, deux cafés bien forts. Oh, Madame Mathieu, vous êtes une perle. Oh, Monsieur Rouletabille, vous faites rougir. Mais non. Et voilà le sucre roux. Mmh. Vous êtes quand même beaucoup plus charmante quand votre mari a des rhumatismes. Vous croyez? Ah, oui. Ah, le père Mathieu est un homme comblé. Et je suis sûr qu'il n'apprécie pas sa chance comme il le faudrait. Oh, ça. Ah, oh, Madame Mathieu, mettez-nous dans deux petits calvas, voulez-vous? Voulez-vous goûter à celui que nous faisons à la maison? Mais pourquoi pas? Bien sûr. Mais méfiez-vous, mon bon maître, il doit bien titrer 70 degrés. Au nom de Dieu, c'est vrai? Ah oui, il faut bien compter ça. Eh ben tant pis, je le boirai. Ave, caro, Mathieu, morituri, te salutant. Oh, il plaisante, mais c'est fou. C'est correct au moins ce qu'il a dit? Oui, tout ce qui est correct, Madame Mathieu. C'était, comment dire, une sorte de dommage. Ah, bien. Alors, voilà l'addition, les calvas, et je vous laisse. Voilà, merci, Madame Mathieu. Et ce Sinclair continue à sourire dans des circonstances pareilles. Mais qu'est-ce que vous voulez, mon cher Joseph? Psychologue, sans doute, mais pour l'instant, encore vivant. Alors, vous pouvez rien faire contre ça, c'est une loi de nature. À votre santé, ce petit calva. À votre santé. Ah oui, il rappe. Bon, maintenant soyons sérieux. Joseph, pourquoi êtes-vous si sûr de la présence de l'agresseur à 10h30 ce soir? Parce que j'ai la preuve que Mathilde fait tout de son côté pour lui permettre d'entrer chez elle. Comme c'est curieux. Ce qui vous paraît actuellement curieux n'est certainement rien à côté du curieux qui vous attend. Tiens. Hein? Mathilde a donc des relations, au moins épistolaire, avec son agresseur. Et admettez-le. Il est vraisemblable que dans sa dernière lettre, il lui demandait une entrevue. Et naturellement, cette entrevue est pour ce soir. En effet, pour ce soir. Oh, Sir Arthur Rance. C'était « Le mystère de la chambre jaune » de Gaston Leroux, adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, 15e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rez, Darzac, Michel Rull, Madame Mathieu, Monique Gérard, Madame Bernier, Anne-Alexandre, Monsieur Bernier, Gabriel Gobin. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Cocolle, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.